Dans la nature, rien ne se perd, il n'y a pas de déchets, tout est recyclage. Ce recyclage, il intervient à de nombreuses échelles. Un exemple classique, c'est celui du carbone. Il y a un grand cycle à l'échelon planétaire. Si on regarde la partie continentale de la planète, eh bien ce carbone passe de la forme minérale, CO2, dans l'atmosphère, dioxyde de carbone, à une forme organique, sous forme de de grandes molécules organiques dans les plantes vivantes, dans les animaux. Par mortalité, on crée de la matière morte. Cette matière morte, c'est ce qu'on appelle l'humus du sol, qui est à la base de la fertilité du sol. Cet humus, il est consommé par les bactéries, les champignons du sol, qui vont donc du coup tout casser, dégrader toutes les, les molécules, libérer des éléments minéraux, en l'occurrence le CO2, qui repart dans l'atmosphère, et ainsi on boucle complètement le cycle du carbone. Quand on regarde les grands compartiments de carbone sur la planète, c'est d'abord l'océan, mais ensuite c'est le sol. Le sol, il y a trois à quatre fois plus de carbone dans le sol que dans l'atmosphère. Et donc c'est vrai qu'en ingénierie écologique, quand on restaure un écosystème ou quand on passe à de l'agroécologie, eh le recyclage, c'est souvent une affaire de matière organique d'une part et d'éléments nutritifs, azote, phosphore, d'autre part, avec évidemment des échelles beaucoup plus localisées que celles que je viens de décrire sur le cycle global du carbone. Alors voici un profil de sol. La surface est sombre, elle est noire. C'est typiquement cette couche organique, cet humus du sol, cette matière organique du sol, qui provient en fait de la mortalité végétale et qui représente une source d'énergie et d'éléments nutritifs pour tous les organismes vivants. Et donc évidemment, le but, ça va être de créer un accès, si vous voulez, à ces éléments nutritifs. Si on prend un exemple, il n'y en a pas beaucoup comme ça, de bilan nutritif d'une forêt, d'une forêt expérimentale, à hardwood. Cette forêt expérimentale, si on regarde la ligne du bas, on s'aperçoit que pour l'azote comme pour les autres éléments, entre 70 et quasiment 90 des besoins annuels en azote, phosphore, etc., sont couverts par le recyclage de la matière organique par la dégradation de la matière organique. Et puis, évidemment, tout n'est pas recyclé à 100 donc d'autres éléments peuvent venir de l'atmosphère, c'est le cas de l'azote, hein, qui va rentrer un petit peu tous les ans dans le système, mais aussi le phosphore qui va, lui, euh, être produit par la dégradation des roches du sous-sol. Les roches du sous-sol, elles sont à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de profondeur parfois dans les systèmes tropicaux. Autrement dit, elles sont en dehors des capacités d'extraction par les racines. Elles sont en dehors de la zone racinaire de la plupart des plantes, et notamment des plantes cultivées annuelles comme les, comme les céréales. Alors aujourd'hui, pour assurer finalement ce cycle et compenser les pertes qu'on a tous les ans en phosphore ou en n'importe quoi, d'ailleurs tous les éléments sont un petit peu perdus. Hein, encore une fois, le recyclage n'est jamais, pardon, à 100 Eh bien aujourd'hui, on conseille de copier ce qui se fait dans la nature et de mettre en place des arbres qui eux ont des racines profondes, sont capables d'aller chercher le phosphore profond, également le potassium, de le remonter en surface. Et les arbres aujourd'hui sont associés aux cultures annuelles comme des ascenseurs à éléments. Nutritif. Donc, ça, ça permet de rétablir, si vous voulez, les pertes et donc de, de corriger les imperfections d'un recyclage qui, encore une fois, n'est jamais à 100%. Évidemment, pour avoir accès aux éléments nutritifs azote-phosphore qui sont dans ces résidus organiques, dans cette matière organique, il faut donc casser les chaînes carbonées qui emprisonnent, en quelque sorte, ces éléments nutritifs. Et ça, c'est un phénomène qui demande beaucoup d'énergie. Les bactéries du sol, en général, elles sont au repos parce que la matière organique du sol est trop complexe à dégrader, donc le rendement énergétique est mauvais. Alors la solution, elle a été trouvée par les plantes il y a longtemps, et ça, ça ouvre des perspectives nouvelles en ingénierie écologique. La solution des plantes, c'est tout simplement de consacrer en moyenne un tiers de la production nette de molécules organiques issues de la photosynthèse, donc un tiers qui va être sécrété activement par les racines sous forme de petites molécules donc un bon rendement énergétique lors de la dégradation. Donc ces molécules vont être consommées par les bactéries et les champignons, qui vont donc pouvoir être actives à ce moment-là, se réveiller, et attaquer la matière organique du sol, et rendre du coup accessible l'azote et le phosphore. Autrement dit, la plante dépense beaucoup d'énergie, encore une fois, un tiers en gros de son bilan énergétique total, pour débloquer les bactéries, ce qui va lui amener une amélioration de son statut nutritif. Donc il y a des stratégies qui ont été mises au point. Stratégies évolutives qui ont été mises au point par le vivant pour régler cette question de l'accès à l'azote et au phosphore. Alors on s'aperçoit qu'en fait le vivant il a développé de multiples astuces pour régler cette question du recyclage des éléments. Vous avez des exemples fameux en savane par exemple, dans les savanes d'Afrique de l'Ouest, où vous avez une, une végétation dominée par de l'herbe, des grosses touffes d'herbe. Sous ces grosses touffes d'herbe, on a une concentration des racines. Et comme ces plantes vivent presque 100 ans, vous avez à tout moment coexistence dans de tout petits volumes de sol de racines mortes qui se décomposent et qui libèrent des éléments nutritifs et de racines vivantes qui pompent ces éléments nutritifs. Et comme les racines mortes sont proches des racines vivantes, eh bien, le passage, le recyclage, là pour le coup, il est quasiment à 100%. Donc ça veut dire que lorsqu'on est capable de rapprocher dans l'espace les sources de nutriments, racines qui se décomposent ou humus qui se décomposent ou feuilles mortes qui se décomposent, quand on est capable de rapprocher ça des racines vivantes des puits donc le nutriment, eh bien on assure une meilleure fermeture du cycle de l'azote. C'est un point clé sur la durabilité des écosystèmes et notamment des écosystèmes cultivés. Comment fermer le cycle des éléments Eh bien une solution, c'est la dimension spatiale de cette question euh, source-puits. Rapprocher les sources et les puits de nutriments. Enfin un dernier exemple. Alors dans les forêts tropicales on a la même chose. Hein. Les racines sont très superficielles, elles ne sont pas dans le sol, elles sont dans la litière de feuilles mortes et c'est absolument la même mécanique. Et donc, dernier point aussi, des stratégies ont été mises au point de façon très astucieuse, on pourrait dire ça comme ça, entre les plantes et les bactéries du sol. Ici, on a un exemple, toujours dans ces savanes, où les plantes inhibent les bactéries qui fabriquent les nitrates. Vous n'avez quasiment pas de nitrates et la, la, la droite qui est représentée ici vous montre que plus la touffe d'herbe est grosse, plus l'inhibition est forte, on a quasiment plus de nitrate dans ces sols, et bien, la plante, qu'est-ce qu'elle gagne et bien, Elle gagne une meilleure nutrition azotée, parce que le nitrate, comme chacun sait, c'est un polluant. Si c'est un polluant, ça veut dire qu'il quitte l'écosystème. Si vous n'avez pas de nitrate, vous avez de l'ammonium, l'ammonium il reste dans le système, et donc la nutrition azotée de la plante est améliorée. Donc les plantes sont capables, ont développé des stratégies d'amélioration du recyclage des éléments nutritifs, et donc en ingénierie écologique aujourd'hui, il y a tout un pan de la recherche qui essaye de comprendre les mécanismes naturels qui ont été mis en place dans la durée des temps de l'évolution et d'essayer de mimer ces processus naturels, notamment, encore une fois, dans les systèmes agricoles ou dans tous les systèmes qu'on va restaurer.